Toujours vidéo interdite et la vidéo fille, cette fois-ci on va s'attaquer à la vraie fin. Ils l'ont pas dit. Marguerite, ouvre, on est trouvé une autre. Bizarre. Oh. On retrouve Mia. Jeune. Ouais, comment va l'autre fille? Elle dort, la pauvre enfant. On n'a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux? Oh. Elle est recouverte d'une sorte d'huile, ouais, je ne sais pas quoi. Bon, On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh, oh merde, on peut pas la mettre ailleurs. Oh, Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Son rêve se réalise, on dirait. Mets-la au lit. Je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai? Pardon, Lucas. Première étape, le suivre de très près. Et là, il tape son code 10-19. Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allez, c'est ça comme ça. Ah, ici, vous avez une bouteille coupée. On n'a pas spécialement besoin. Non, voilà. Alors ici, vous avez un crochet, donc surtout ne pas l'utiliser dans cette commode. Là, on va chercher les vêtements propres. On va monter à l'étage. Ici, direction la salle de bain. Et ici, vous avez un petit tiroir. Ici, c'est le crochet. Voilà, on a un petit composant. Ici, on va rien faire. Ma puce, tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. Je m'occupe pas de cette psychopathe, moi. Ici, on va utiliser notre petit embout. Alors, ici, qu'attends? Si je peux utiliser mon briquet. Non. Je vais peut-être pas y voir assez clair. Donc là, on tape 10, 19. Yes. Les affaires de famille.
Magnifique, c'est tout ce qu'on a comme information. Alors on a fait le taf. Maintenant on va suivre le cours de l'histoire. On va aller voir le psychopathe. Petit. Ok petite, je vais te nettoyer ça. Ils sont à moi. Quoi? Papa? Il y a une panne de courant? Est-ce que la foudre est tombée? Où est passée la gamine? C'était quoi ça? C'est la salle de bain? J'en reviens. Le pauvre. Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Je peux aller chercher la corde déjà. Ok, pas tout de suite. Maintenant, on se rafraîchit dans la salle de bain. Tu as raison. Tout est bien. Et toi, maman? Il y a quelques petits soucis. Viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés. Ah. Oh, mon Dieu. Non. Non. Embrasse-moi, chérie. Marguerite, qu'est-ce que tu vends? Cours au garage. Prends une corde. Dépêche-toi. Lâcher, oui. Ne pousse pas à faire quelque chose plus d'un côté. On va rien. Qu'est-ce qui arrive, papa? On a notre purifier pour se rapprocher de Dieu. Et ta mère est à deux doigts de la rencontrer là. Elle veut que je fasse ça. Je dois lui montrer que je suis dévoué. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. Tu veux pas la décevoir, pas vrai? On peut pas faire ça. De qu'est-ce que tu parles? Ta nouvelle sœur est vive. Vite, on se casse de là. Je veux qu'on m'apporte une corde. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Donc t'es sous mon toit, tu vas te chérir. T'entends? N'approche pas! Faut que je me tire d'ici. On prend la fourchette. On enlève les planches. N'approche pas!
Nous, on va passer par là, contrairement à tout à l'heure. J'avais pas vu la boîte. Et on a récupéré une tête de chien. Après, on retourne sur du classique. Maintenant. On va voir notre collègue. Comme je dis toujours, la famille avant tout. Viens la rencontrer, Zoé. Prendre la porte avant de se faire choper. Voilà. Zoé. Là, on se fait choper. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, non. N'approche pas. Laisse-la tranquille. Ne fais pas de mal à ma famille. Je comprends rien, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, prends-la. Prends-la. Les clés du 4x4. Ok, là. Allez, maman. Je vais chercher de l'aide. On a récupéré une tête de chien. Et il se trouve qu'il manque une tête. Voilà. Donc là, dans la caravane, on a eu des infos comme quoi il doit y avoir Mia. Ça peut pas être vrai. Vérifier qu'il n'y ait pas de... Qu'est-ce qu'on a là? Que c'est que ça? Oups. Ah là là. Il y a une gamine. Ah non. J'ai dû m'endormir. Tiens, tiens, regardez si de rien n'était. Réveille-toi et sens-moi ce jus de chaussette, Zoé. Ça va, ma chérie? La nuit a été mouvementée hier. Un petit avec peu, ouais. Ça va? J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait une petite fille. Bien, après le petit déjeuner, Lucas et moi, on va voir si la tempête a causé des dégâts. Vous deux, vous feriez bien de faire le tour de la ville. C'est une bonne idée, Jack. Vous vous souvenez du dernier ouragan? Oh, on pensait avoir eu de la chance. Sauf qu'à la pluie suivante, bonjour les dégâts. Énorme. Excellente seconde fin. Et puis de toute façon, la pauvre va mourir. Malheureusement. Et donc, on a déverrouillé le succès, l'instinct de survie avec cette vraie fin.